Bonsoir. Le temps restera souvent calme et anticyclonique ces prochaines 24 heures sur les trois quarts du pays, notamment au nord et à l'est, mais de plus en plus instable et électrique en revanche sur le sud-ouest, au plus près de la dépression espagnole. La météo s'annonce plutôt calme encore sur le Grand Ouest demain, en dehors de quelques ondées vers la Vendée en fin de journée, le tout dans une ambiance chaude et lourde. En Normandie, demain matin, on prévoit un temps calme et assez ensoleillé, en dehors de quelques stratus côtiers, donnant une ou deux gouttes, et on attend entre 14 et 16 degrés au lever du jour. De larges éclaircies alterneront avec des cumulus, parfois imposants, dans l'après-midi. Une averse orageuse locale est prévue vers le sud-ouest du département et le temps deviendra plus orageux, sans doute en soirée. L'ambiance s'annonce lourde et il fera entre 25 et 28 degrés de Machecoul à Clisson et du vent du nord-est faible à modéré soufflera sur les côtes, ce qui donnera une mer peu agitée avec une petite houle d'ouest de moins d'un mètre et les coefficients de marée seront en baisse, soit de 102 et 100. Une dégradation orageuse plus franche est attendue dès mardi à Nantes. Le temps deviendra instable et plus frais ensuite avec des températures en net recul. Il fera 20 degrés jeudi à Nantes. Un léger mieux est en vue pour le week-end. Même tendance plutôt instable et bien fraîche, bien sûr, à Saint-Nazaire avec pas plus de 18 degrés vendredi. Demain, nous fêterons les Anthelmes. Très bonne soirée sur Télé Nantes.